Christophe Berchi, dans ce match perdu ici à domicile contre Fribourg, on a vu du mieux pendant un moment, puis ensuite la machine lausannoise s'est grippée. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une bonne question. Je pense qu'on a un peu perdu notre rythme. On n'était pas. On n'a pas pu faire le jeu qu'on a fait les trois matchs avant. Ouais, c'est dommage. Dans une série, tu n'es pas là 100% un match et puis tu te trouves avec le dos contre le mur. C'est comme ça, mais il faut qu'on se focus sur le prochain match à Fribourg et puis qu'on va absolument gagner ce match. On a vu que du côté du coaching staff, on a essayé de bouger des trios, changer des choses. On a mis beaucoup plus de monde devant le but, notamment au début du troisième tiers. Qu'est-ce qui peut amener l'étincelle pour aller égaliser à Fribourg? Je pense aussi un petit peu la chance. On a vu troisième tiers, Jäger, il avait un high tip et puis ça tape. Béra, il voit rien du tout, ça lui tape l'épaule. Ça va dedans, ça change un petit peu quand même. Après aussi, le premier goal qui marque, c'est une pénalité qu'on prend, que normalement, moi je trouve pas qu'il y a pénalité, mais c'est déjà la deuxième ou troisième fois dans la série. Mais après, il faut qu'on se bat contre ça aussi, qu'on bat tout le monde. On a l'impression que tout le monde est contre nous et puis il faut juste qu'on croit à nous, qu'on se bat, qu'on va à fond et qu'on ne perd pas l'espoir. Merci Christophe.